Allez, les gangs est présent. On a donc Majid Max avec au volant le nain. On a Machouillette déguisé en Bob Radowski pour changer un peu look. Et le Big Bug, on a mis le GPS, on a le Maxis à bord. Maintenant, on va voir ce que ça donne cette espèce de moteur 880. Ça y est, je suis à fond. Ouais, il dépasse pas les 70, tu peux me dire ce que tu veux. Bah, il a dû mesurer 75 avec le module Traxxas, lui. Après, la différence, c'est comme dit, galère pas avec les grosses roues, et puis en l'air, t'es tranquille. Ah, 6-8, ça est chez nous. Ouais, tu vois. Ça change pas la vitesse, y'a rien à faire. Donc 68-69, donc ça, il fait... D'origine, on fait ça. Il faut que je lui parle. Il y a un problème. Ouais, ça fait cher l'investissement pour... Bah après, pour ceux qui ont cramé le moteur, qui roulent avec les grosses Louise ou les gros Proline, ouais. Ouais, t'as cramé ton origine, quoi. Ouais, mais là, ça... Enfin, là, je trouve ça bizarre, quand même. Après, en l'air, c'est sûr, t'as plus de gouache, quand même, tu vois. Tu peux... Même si t'arrives à fond, tu piques pas du nez. Mais ça veut dire qu'il peut prendre un pignon largement plus gros, quoi. Tu vois, j'ai à peine touché, t'as vu, il redresse quoi. Bon. Hop là, il faut rouler, pas me regarder. Donc moi j'ai des 8000 à bord, je crois. Non, 7007, ouais. Toi t'as des 5000 et Strouti, on y a mis quoi? Des 7007 aussi. Ah, les 7005 Orion, ouais. Je suis le lapin. Après là, les batteries étaient froides, c'est sûr, à chaud, on dirait un peu plus vite, mais... La dernière fois, j'ai aussi pris 2 km/h une fois qu'il était plus chaud. Ah, on a perdu Strouti. Monte sur la butte, Strouti. Tu vois donc rien de l'autre côté. Ouais, fais attention, devant toi. Non? Ouais. Il y a le chien blanc. L'autre fois, il a chié pile, là. Regarde, je suis en mode rafouille. Regarde. Autocrawl. Ah. Ouais, t'as pas de chance. Il y a deux beurres, ça me fait la même. Ouais, ça vole beaucoup mieux, c'est sûr. Ah, bon ben c'est le vert, le lapin. Il est où? Avec le white, t'aurais tapé là. A perdu Strouti, il a peur de rouler avec sa location. Arbre. Mais c'était un peu juste entre l'arbre et le banc. Hein. J'avais l'impression d'être en train de photocopier de la cafetière le 11 septembre. Vite, il nous échappe le lapinou. Là, on marche en l'air, c'est chaud. Hein. Oh, ça tend qu'on marche arrière. Oh, oh. Dong, 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 les trois. Bon, maintenant que les lipos sont chaudes, on se fait vite un petit départ arrêté vers le fond, là. On commence là et on va... T'étais bien là, pourquoi t'as avancé? Donc vous oubliez pas qu'il y a un arbre au bout là-bas, hein, on passe entre les arbres. Hein. C'est qui donne le top? 3, 2, top. Bon, il y a quand même un poil de plus. Hein.
Ouais. Juste un poil. Après, on peut faire la même en vitesse lancée, voir. Ouais. Ah non, tu vois, regarde. Et pourtant, j'ai les sledgehammer, donc je suis un peu plus haut. Hein. Enfin, j'ai un peu plus de diamètre. Ah merde, attends, je te passe dessus, c'est pas le but. Tout ce qu'il faut, c'est pas arracher l'œil sur le capot. Sinon, c'est plus Bob. Ouais, ça fait bizarre quand même, tu vois. Et ce que je dis toujours, tu vois, on a même. T'as remarqué l'autre fois, même quand on avait le X-Max avec l'autre rapport, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre les deux, au final. Sur un. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont tondu, on peut traverser. Tu vois la différence, c'est la pêche en l'air après, t'as vu? C'est un peu plus maniable en l'air. Mais pour ça, je trouve que ça vaut pas assez le coup. Il y a un avantage température aussi, c'est certain, quand tu as fini de rouler. Là, vu que le moteur d'origine il encaisse sans problème, le full stock. Je suis sceptique un peu du coup là. Chacun. Je suis comme la fosse là. Ouais, mais d'un autre côté avec le rapport en 2-7, je le fais aussi. Ça, en l'air. C'est dommage de devoir monter le support chinois. Ouais, vraiment, une fois tant qu'on est 10x max sur la ligne d'arrivée, là, du départ. Hein. À l'arrivée, il n'y aura peut-être plus 10, mais... Eh, t'as fait une bosse dans l'aile droite de la Opel. Eh, Majin Max, il turbine, hein, mine de rien, quand les pneus commencent à ballonner. Hein. Bon, c'est Stroutil le nain, c'est Stroutil le lapin. Le lapin nain. Ça compte, hein, il est sur les roues. On y va, Stroutil. Ah, comment il nous a grugé. Ah, moi aussi, j'ai. Avec les fusées, avec les portes-fusées à lui, ça tourne pas super. Joli. J'ai juste lâché les gaz, je voulais pas faire paf les pneus. Parce que les sledgehammer, ils ont tendance à... Quand ils sont neufs, ils se décollent d'abord. Ils tiennent, mais... Ça, ça monte bien. Ouais. Et on essaie d'attraper le troisième. Ah, raté. Ah. Un petit coup dans le tulle. Oh, la mode qui a dégagé.
Ah, on a bien fait de pas travailler aujourd'hui. C'est quand même beaucoup mieux, non? Ah, ça y est, mais je crois que mon pneu avant est décollé. Ouais. Parce que comme tu t'es vertu à me renverser quand j'ai essayé de me redresser. Bon, vous faites quoi les gars? On vise. On vise. Je trouve qu'il est bientôt dedans. Yeah. Centimètre par centimètre. Tranquillement. Ouais, t'as raison. Yeah. Ah oui, avant sympa, ouais. Mais on se décale tous. C'est pas qu'il y en a par ailleurs. Bon, c'est moi le lapin. On sortira tout de suite. Hey, il a oublié la moitié de la trajectoire lui aussi. On va tourner autant que vous voulez. Mais chaque fois lui. Déjà avant j'étais sur les roues, il a fallu qu'il m'achève. Salaud. Tu m'as coûté ma colle à pneus. Oh, t'as l'activateur, c'est pas... Bon, ils sont où là? Je les ai perdus déjà. Ouais, en l'air, c'est quand même plus sympa que ce moteur, mais... Voilà, VMAX, ça pourrait être un peu plus. Oh, ah, c'est beau. J'adore ça. Camionnette. Ah, c'est ceux du PR, ils ont l'habitude. D'habitude, ils s'arrêtent pour les gamins exprès. Merde, grillé. Quoi? Ah, quoi que, l'air, tu le vois mieux de moi. Ouais. Et paf, 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 les trois dans une voiture qui passe. Ça aurait été bien ça. Tire groupir. La camionnette. Ah ouais, reviens. Non, ouais, je sais. Au moins, comme ça, il respecte les 30. Voiture. Il est où le caca? Je vais te faire un reco air immodel moi, tu vas voir. Par là? Okay, pas dessus, voilà. Ah. Juste au milieu. Oh, ce salopard. Oh, ça chnouf. Ça chnouf, ça chnouf un peu. Hein. Elle était encore fraîche, hein, ça sent un peu. Ah. Ah. Ah, presque. Ah ouais. Tu peux le faire. Ah bon.
Ah, ça pue. Faut vraiment que j'y aille. Ah, ça doit. C'est vrai que c'est rentré pile dans le pneu décollé, dans la mousse. En tout cas, ça chemoute bien. Ah bah, ouais, si, c'est bon. Si. Tu vois? Il a à nouveau ce problème bizarre. Et c'est avec les deux varios. Tu vois? C'est lui, je rachète pour 10 euros. 15, 15. Je te laisse le moteur, je fais comme ça. Ah oui, ça chenouffe. Hein. Ah, il aime pas, t'as vu le freinage? J'ai freiné, je voulais sec, je voulais repartir et c'est ça qui le bloque. Ah, mais le prochain run, je vais mettre le moteur d'origine avec le rapport 2-7. Et après, on va voir. Si ça marche mieux, bah, ça chenouffe vraiment. Hein. Bon, 3, 2, 1, top! Ah! Faut que je taille un peu les chapes aussi, hein, on a lu là. Il n'y a pas la place pour le RPM dedans. Ça coince, ça tournire pas. Hein. Il est content, il fait des roulades. La fleur blanche. Voilà, je suis dans le terrain de poule. Attention les gros tas là, il y a à chaque fois un gros trou devant. Hein. Ah là. Ouais. La stère qu'ils ont sorti, ils ont fait une carotte. Je suis en train de me poser la question, je me suis assis avec de la flotte dans la... Mais c'est quoi comme truc? T'as vu, non, il a fait nouveau, regarde. Ouais, c'est pilote. Non, non, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas entre les moteurs et les varios. Allez, 12 euros. Autant le 1000 kV, tu vois, ça va super dans Big Mama. T'as vu ça? Comme il s'est bloqué, c'est pas moi. Dès qu'il tape. T'as vu? C'est bizarre, hein? Non, mais il faisait la même chose avec l'autre vario. Quand je freine fort, ouais, ou quand je tape fort des 4 fers, ça lui pose un problème. Surpasse. La sonde. Ouais. La sonde de température, ouais, c'est tout. Arrête, ça va. Doucement, un sticker. Bah, je mettrai déjà le moteur d'origine avec le rapport d'origine pour voir avec les sledgehammers. Ah salaud. Mais attendez pas que t'ailles là derrière. T'attendais pas que j'aille aussi loin. Non. Je vais remplir. Moi je vois plus rien là-bas, y'a que lui. Alors. Mais t'es trop grand. Nous on voit pas, moi j'ai la barrière là-bas. À cette hauteur là moi. J'ai un truc vert passé de temps en temps. Ah, fais-moi le malin maintenant, hein.
Écoute comme il est concentré. Ouais, je me vois, si, je me vois. je me vois, regarde, ça bouge. Tom. Je sais plus s'il y avait une poubelle là-bas ou les bancs. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ah si, t'as pris en plein dedans. Non, pas dans la terre. Ça va être chaud pour le retourner. Tu vois, là, j'ai pas, je peux plus remettre gaz, regarde. T'as vu? Parce que sinon, j'aurais pu le flipper. Mais ça va plus. Tu crois qu'il y a déjà trop chaud, ce moteur? On va vite checker ça. Avec cette température, s'il a trop chaud, mon gars. Alors, avec le rapport d'origine en plus. Bon, c'est peut-être parce qu'il mouline justement. Non, non, pas du tout. C'est les 7700 HV. T'as vu? C'est bizarre, hein? Je penche plutôt pour l'inverse, que le rapport est trop petit pour ce moteur, tu sais. Et que du coup, il est à fond dans les tours tout le temps. Ah, j'ai la housse aussi. J'ai pas envie de vérifier. Ah bah si, regarde, hey. Tu vois? T'as vu ça? Moi aussi, t'es un 6-20. Allez. Là, je sais pas, c'est à cause de tous les pôles qu'il a, il y a un problème avec les marées pour le gérer ça, je sais pas. 6 ou 8, ouais, j'ai vu. J'ai dit un moteur qui prend pas 60 000 tours minimum, je suis pas confiant. En coupure, ça y est. Ah! T'as vu? Comme il coupe? Mais tu vois, regarde, regarde. Voilà. Oh. Ah, sa batterie est pas vite, tu vois. Ouais, j'ai quand même vite enlevé la carole, le temps que je change sa batterie. Caca, attention. Caca, attention. Caca, attention. C'est space, hein. Comme quoi, tu vois, d'origine, hein. Une fois de plus. C'est peut-être le vario qui a trop chaud là en bas. Même pas, j'ai le doigt dessus. Ouais, c'est chaud, mais sans plus, hein. Tu vois, t'as le doigt dessus, tranquille. Tu vois. Malgré la housse et tout, tu vois, mais ça simule un run en été. Ah, quoi que... Ouh, tu vois, là, il est chaud un peu comme au cul. Ouais, oh, 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 ouais. Mais tu vois, en été, ça va être un problème. Ouais. Il caille une aiguette, hein. Ouais, on va rouler un peu sans la housse. Il refroidisse un peu, là. De toute façon, les batteries ne vont plus tarder, là. Après, c'est bien un moteur plus gros aussi, mais c'est ça cause en plus, même si c'est pour rouler à la même vitesse. Oui. Comme dit, j'ai plus de contrôle en l'air, c'est certain, mais tu vois, c'est pas... Ouais, c'est pas extraordinaire. C'est ça. Non, probablement pas extraordinaire, mais c'est un petit 10 de, petit 10 de plus que l'origine, et surtout qu'avec l'origine en rapport 2-7, ben, il fallait 10 de plus, quoi. Oui. Même si c'est pas 10 de plus, on est juste bien. Enfin, moi, je suis satisfait avec le rapport 2-7. Et même là, tu vois, on est tous origine, ça va super. Suffit. Suffit à les couillons. T'as vu, là? Comme il a fait? Il faut passer le doigt sous la boucle avant pour passer sous la tourelle, sinon t'arriveras pas à le mettre. Elle est pas en place.
T'as vu comme il fait? T'as vu? Eh, là il s'est arrêté tout seul. Hein. Moi je crois qu'il a trop chaud le moteur. On va s'arrêter là, je crois. Avant de le cramer.